Un match difficile, c'est une finale de Fed Cup qu'on joue à l'extérieur. Ça va être plein à craquer devant 15 000 personnes. Et Ayla voilà, est une joueuse dangereuse. On ne s'est pas joué énormément de fois sur le circuit, mais on est de la même génération et on s'entraîne souvent ensemble. Elle a vraiment des gros points forts, une très belle frappe de balle et un gros service notamment. Voilà, ça va être jour J demain et il va tout falloir donner pour être meilleure. Et ça va se jouer sur des détails, voilà. Christina est en forme, sa victoire au Masters en double le prouve. Elle a fait une bonne fin de saison. Voilà, j'espère qu'elle sera capable de développer son jeu, le jeu qu'elle aime. Et c'est comme ça qu'elle est la plus efficace. Donc on va tout faire pour qu'elle soit dans ces dispositions-là. Et qu'elle nous lance de manière parfaite ce week-end. Je m'attends à un gros match. C'est une top joueuse et contre les meilleurs, c'est toujours des matchs intenses. Et c'est ça que j'ai envie de jouer, c'est ça que j'ai envie de vivre, c'est pour ça que je m'entraîne. Donc là, j'ai la chance de jouer la meilleure joueuse du monde dans son pays pour la finale de Fed Cup. Et franchement, il n'y a pas plus grande expérience à vivre, je pense. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable et je suis vraiment prête pour ce challenge. Elle a un énorme défi qui se présente face à elle, mais que ce soit ses coéquipières, tout mon staff et moi évidemment le premier, on est convaincu qu'elle a ça en elle et qu'elle est capable de le faire. Et c'est pour ça que c'est elle qui y va demain, et que c'est pour ça que je l'ai sélectionnée et qu'avec mon staff, on pense que c'est vraiment la meilleure option pour aller chercher cet exploit. On sait que ça sera difficile. Mais elle est capable de relever ce défi. Beaucoup d'excitation, on a très très hâte d'y être. Là en plus on a eu une préparation de plus d'une semaine, donc voilà, on s'est préparé du mieux possible. Ça fait un moment qu'on vit en groupe ensemble et voilà, maintenant là, on va dire que l'excitation monte de jour en jour et on a vraiment hâte d'entamer cette finale pour laquelle on vit et on s'entraîne depuis des mois maintenant. Lors des deux premières rencontres, j'étais aussi sur le banc. Et ouais, je suis prête que ce soit sur le court. Il peut tout se passer le samedi, donc je serai prête à rentrer le dimanche si besoin. Et voilà, je suis prête à donner de la voix dès le samedi. Est-ce que tu es prête à pousser les copines? Ouais, on attend que ça. Après, on aura quelques supporters aussi français avec nous. On sait qu'il va y avoir beaucoup de bruit pour les Australiennes, mais ça fait partie du truc, de ces belles rencontres à domicile pour elles, pour le coup, cette fois-ci. Mais ouais, nous, en tout cas, on va tout donner pour supporter les filles qui seront sur le terrain.